Bonjour à tous, cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux. Le lien est dans la description. Bonne vidéo. L'idée c'est de faire ça. Pas mal, hein, l'idée, je trouve. Je sais pas si j'aurai assez d'eau avec ça, avec que ça. Je pense que je pourrais peut-être ne pas avoir assez d'eau. Là, je suis sûr d'avoir assez d'eau. Par contre, ceux de là, ils iront jamais les chercher. C'est pas grave. Comme ça, je pourrais supprimer tout ça et là-haut, je pourrais faire autre chose.
Là, il y a un petit bosquet qui a survécu ici. Dommage ça. Ouais, ça va aller vite de construire ce truc-là. Toutes les ressources sont juste là. Ça va prendre du temps à se construire, mais ça va se construire gentiment. Ah, la sécheresse a commencé. On va voir si au niveau de la sécheresse comment ça se passe. Maintenant qu'on pompe toute l'eau ici, qu'on ne pompe plus d'eau ici, on va vraiment voir comment ça va se passer là maintenant. Est-ce qu'on arrive à faire baisser un tel niveau d'eau? J'ai quand même un gros doute, hein. Je m'excuse, hein, mais j'ai quand même un gros doute.
Vous avez beaucoup de bois. On va attendre, j'ai lancé beaucoup de choses là maintenant. J'ai lancé de quoi faire quasiment 200 de population d'un coup, je pense que ça peut être ma mort. Ici, je pense que ça va tenir dans tous les cas, il y a deux étages partout. Le syndrome, c'est qu'il n'y a pas deux étages, c'est ici. Et encore, ça peut être facilement amené. Mais le truc, c'est que si l'eau descend trop, ici, il n'y aura plus assez d'hydratation. Oui, ils ont commencé instant. Putain, ça s'est construit instant, ça. Il va manquer de rondins. Ici, il y a beaucoup de lits disponibles, donc il va y avoir beaucoup d'enfants. Je vais avoir un baby boom, logiquement. Ici aussi, ici, j'ai un baby boom. Ici, j'ai prévu une petite population parce que je pense pas qu'il y ait besoin de grandes populations. Ici, j'ai peut-être prévu un petit peu trop de population. Au niveau de l'eau ici, on est très très bien, je trouve. Par contre, en termes de nourriture, on va bientôt être léger ici. Et on va bientôt être léger ici aussi. Ouais, eux, ils n'arrivent plus rien à stocker. Tu m'étonnes avec tout ce que je leur ai demandé de faire.
Alors, qu'est-ce qu'on envoie en itinéraire ici? District 2, on envoie du pain, du bois, de la nourriture. District 3, on envoie nourriture. District 2, on envoie du pain, des planches, de la nourriture. District 3, on envoie de la nourriture. On n'a plus besoin d'envoyer de planches. Et on envoie du tissu. On va leur remettre des engrenages et des planches. On en a besoin. D'ailleurs, District 2 aura toujours besoin d'engrenages également. C'est eux qui exploitent la farine là? Ah bon? Pourquoi c'est eux qui exploitent la farine? Lol. Mais les gars, votre district, ça, il est censé s'arrêter là, hein? Comment ça marche le district là? Ok, bien. C'est vous qui employez ici, les gars. Vous. Vous avez encore du temps, hein? Tu commences à collecter pas mal de ferraille, c'est bien. Mais ces fermes-là, elles sont à eux. Parce que eux, c'est des producteurs de nourriture. Vous, vous n'êtes pas des producteurs de nourriture, vous êtes des producteurs de bois. Vous êtes dépendants en termes de nourriture. Et ici, ce qu'on va essayer prochainement de faire, c'est de faire en sorte que ce district-là, il soit un petit peu indépendant. Mais je dis bien un petit peu.